qui côté l'amour sorti. Personne n'a pas une réponse avec ça. En pile monde, ils considèrent que l'amour est une valeur morale absolue. Si l'amour est une valeur morale absolue, ça veut dire que l'amour transcendant. Et si l'amour transcendant, l'amour aussi universel. Et donc, l'amour pas dans l'homme, puisque l'homme fini, n'a pas parlé de l'amour comme un bagage qui transcendant. Et donc, il est obligé d'exister l'amour dans l'univers qui est fini. Et que c'est lui-même qui source tout l'autre l'amour qui existait. Et donc finalement, réponse n'a pas de monde qui gagne, pas de pièces relativistes qui sont capables de côté l'amour sorti. Même relativistes qui sont capables de ça, reconnaître que s'il y a plus l'amour dans la ville t'a fait plus sens. Mais cependant, réponse là, c'est nous-mêmes qui gagne. Lorsque nous dit dans 1 Jean 4, verset 16, Dieu est amour. Et l'amour est même propriété ensemble avec bon Dieu. Et c'est ça que fait Jean. Présenter bon Dieu comme l'amour, mais qui ça implique? Ça implique que si bon Dieu c'est l'amour, alors lorsque bon Dieu m'a donné un commandement, le commandement d'aimer est un commandement de connaître Dieu, parce que puisque bon Dieu c'est l'amour, tout commandement bon Dieu ben moi, c'est des commandements pour connaître bon Dieu. Et donc, moi pas capable véritablement connaître l'amour si moi ignorer bon Dieu.